Questo vale. Questo onore. Rosaire d'Italien. Puis tu vas, c'est ta dernière journée pour Radio Canada. Oui, dernière journée après presque 42 ans. Triste? Non, heureux. Heureux? Heureux parce que moi j'ai eu une belle carrière à Radio Canada. Je suis un des choyés. Là. Moi j'ai pu voyager à travers le monde, couvrir des sujets intéressants, aller partout. J'ai rencontré des gens intéressants à travers le Nouveau-Brunswick, à travers les provinces atlantiques, à travers le Québec, l'Ontario. J'ai été en Louisiane, j'ai été aux États-Unis, partout. J'ai été en France. Donc moi je suis heureux, j'ai eu une belle carrière. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'avec toutes les coupures qu'il y a à Radio Canada, est-ce que les jeunes qui s'en viennent vont avoir une aussi belle carrière? Est-ce que ça va arriver encore des jeunes qui vont être capables de dire ça fait 42 ans que je suis à Radio Canada? Non, je crois pas. Moi, je peux le dire. Gilles Goujon a pu le dire. Bernard de Rome a pu le dire. Mais c'est fini, ça, cette époque-là, des reporters ou des gens qui étaient là et qui consacraient leur vie à l'information. Maintenant,